Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cette nouvelle semaine avec Fifi, toujours fidèle au poste, hein, bien sûr. Elle dormait sur son arbre à chat et puis elle fait miaou, 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 maman, je veux monter avec toi voir les copines en vidéo. Ouais. Alors, aujourd'hui, je l'ai reçu samedi, je crois, samedi ou vendredi. Samedi. J'ai pas encore eu le temps de vous faire la vidéo, mais bon, ça c'est pas très grave. J'ai la lumière qui m'éblouit et qui me fait mal, donc je vais la baisser. Voilà, tout en vous parlant. Voilà, c'est mieux pour moi. J'ai reçu une petite enveloppe, voilà, que j'ai déjà décachetée, bien sûr. Et cette petite enveloppe. Non, mais on va attendre, hein, que madame veuille bien. Allez, mon bébé. Hop, voilà. C'est pas possible. L'amoureuse de maman ce matin. Oui, mais ne mets pas ton cul sur la caméra. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. je vais y arriver. Voilà, en plus, je m'étrangle. C'est une enveloppe de Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. Voilà. Alors, elle avait mis des nouveautés dans la semaine sur sa boutique. Et bien sûr, ben, hein, voilà. Bon, j'étais raisonnable quand même. Il faut. alors, d'abord, tout de suite, avant de vous montrer ce que j'ai acheté chez Sabine. Sa boutique est fermée depuis ce week-end et elle sera fermée jusqu'au 31 mai et à 17h, elle ouvrira la boutique pour les nouvelles box, c'est-à-dire la box broderie, la box aimant à aiguille et la box papeterie. Voilà, alors normalement il n'y aura que ça dans la boutique, mais je ne suis pas sûre à 50%, mais je crois que c'est ce qu'elle avait dit. Ça ne sera ouvert que pour les box, donc à 17h, pétante, soyez sur la boutique, mettez-vous dessus à moins 5, hein, et actualisez la page, parce que la dernière fois, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo que j'avais fait, tout est parti, donc les 150 box broderie, les 100 box aimant, et les 50 box papeterie, je crois. Celle-là, je suis un peu moins l'actualité de cette box-là parce que je ne l'achète pas. Sont partis en 18 minutes. Voilà. Soyez au taquet. Le 31 mai à 17h, mettez une alarme sur votre téléphone. Mettez Etsy sur votre téléphone. Comme ça, si vous n'êtes pas chez vous, allez-y. Parce que ben là, alors, elle a augmenté le nombre de box. C'est super parce qu'au moins, c'est que la boutique de Sabine cartonne et j'en suis hyper heureuse pour elle parce qu'elle le mérite vraiment, vraiment, vraiment. Elle nous fait toujours des merveilles. Pour ce mois de mai, elle a fait 200 box broderie, 150 box aimant. Et papeterie, c'est peut-être une centaine. Mais je vous dis, la papeterie, je ne suis vraiment pas au fait pour cette box-là. J'en suis désolée. Donc, vous aurez un peu plus de chances d'obtenir ces box parce que je sais que tous les mois, il y a des brodeuses qui sont tristes parce qu'elles n'ont pas réussi à avoir les box. Mais je vous dis, les filles, soyez... Les filles ou les gars, hein, parce qu'il y a les gars hein, aussi qui brodent. Soyez vraiment au taquet le 31 mai à 17h. Et ça, tous les mois. Alors, tous les derniers jours du mois, à la même heure, soyez au taquet pour choper les box. Voilà. Alors, ici, la boutique est fermée pendant 15 jours parce que Sabine est en train de monter sa toute nouvelle boutique, sa propre boutique à elle. Donc, quand on aura l'adresse de la boutique, je vous la communiquerai. Puisque là, ce ne sera plus sur Etsy, ce sera sa propre boutique sur Internet.
Mais là, je n'ai pas plus de renseignements. Je n'ai pas le nom de la boutique. Ça sera certainement encore, bien sûr, Poussière d'étoiles. Mais je n'ai pas encore, bien sûr, l'adresse de cette nouvelle boutique. Dès que je l'aurai, je vous la communiquerai ici sur YouTube. Je la communiquerai sur le groupe Facebook et je la communiquerai sur mon Instagram. Voilà. Deuxième actualité de Sabine. N'hésitez pas à, alors je crois, oui, n'hésitez pas à aller sur son Instagram. Si vous n'avez pas pu choper la box broderie avec les petites abeilles du mois dernier, allez vite sur son Instagram. Elle organise un concours pour gagner cette box. Voilà, elle a remis une box en jeu sur son Instagram. Il suffit d'aller liker sa page, de liker l'article, voilà, pour le concours, et d'inviter des amis à participer également. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors je n'ai plus la date de fin du concours, je vais vous le remettre là. Allez-y en courant. Voilà. Bon, ben, je crois avoir dit toute l'actualité de Sabine. Je sais qu'elle prépare aussi, donc ça va être dans sa boutique. Elle nous prépare des petites nouveautés. Voilà, je n'ai pas envie d'en dire plus parce que je veux laisser la surprise. Bon, il y a déjà peut-être des autres youtubeuses qui en ont parlé sur leur chaîne aussi. On va avoir des nouveautés, des surprises sur sa boutique. Donc, soyez au taquet. Allez, je vous montre ce que j'ai acheté dernièrement sur sa boutique. Alors, j'ai déjà, alors j'ai pas regardé dedans, mais j'ai ouvert là pour faire moins de bruit. Donc, on a toujours le petit stickers. Merci de soutenir ma petite entreprise. Voilà. Et c'est toujours un bonheur de soutenir la boutique de Sabine. Alors. J'ai pris, alors c'est une nouveauté, ce sont des nouveautés, voilà, et il y a un petit truc ancien. Mais... Alors d'abord, on a comme toujours le petit cadeau qui fait plaisir, le petit sticker, regardez-moi ça, comment il est beau ce sticker, et le petit sachet de thé. Alors ça ressemble, alors je commence à connaître les sachets de thé de Sabine, ça ressemble au Breakfast English. Est-ce que c'est ça? Yes! Je suis trop forte! Voilà. Donc, hop, un petit thé à boire. Alors, en plus, maintenant, le thé, c'est très bien pour moi parce que... Bon, vous avez vu, hein, je suis un peu ronde. J'ai pris beaucoup, 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 beaucoup de kilos depuis le Covid. Alors que juste avant, j'en avais perdu 18. Le Covid est arrivé. Bon, c'est l'excuse. On a tous eu cette excuse une fois qu'on a pris du poids. Mais de 18 kilos perdus, j'en ai repris 30. Bravo, Edith. C'est top. Voilà, hein, c'est pas top. Et ben, du coup, alors il fallait que je me motive, que je me motive. Et là, ça y est, normalement, c'est bon, je me suis motivée. Bon, c'est pas pour être belle, hein, c'est pas pour faire la mannequin, hein, ça j'en ai rien à cirer. C'est pas à 60 ans que je vais m'amuser à faire le mannequin. Mon homme m'aime comme je suis, mais c'est pour ma santé. Voilà. Donc j'ai attaqué le régime hier. On verra ce que ça donne. Si vous voulez, bah, je viendrai vous en parler un petit peu de temps en temps pour vous donner si j'ai perdu ou pas. Là, ce matin, j'avais perdu. Bon, c'est normal, c'est le premier jour. Mais donc, on verra. Voilà. Je referme les parenthèses. Alors, je disais ça. Ah oui, c'était pour le thé. Bon, ma fifille, va dans ton petit panier là-bas. Va dans le panier à maman. Alors, ce sont des nouveautés que j'ai pris. Hop. J'ai pris trois aimants. Je ne me rappelle plus. Alors, première nouveauté. Alors, j'ai craqué dessus parce que ben, c'est trop joli. Alors, il y avait plusieurs modèles, hein, mais bon, j'en ai pris qu'un. Je vous dis, j'ai essayé d'être raisonnable.
C'est un trifile. Voilà, regardez-moi cette beauté. Il est trop, trop beau. Voilà, regardez de plus près. Avec les jonquilles. Voilà, la petite tasse, un petit mug là. Les petites maisons, le petit garden, échelle. Voilà. Ça, ah, je sais plus le nom, j'en ai dans mon jardin, ça, je ne sais plus le nom. Ça aussi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, regardez-moi cette beauté. Alors, c'est un trifile en plastique, dur, donc vous voyez, il ne bougera pas. Vous avez 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 emplacements pour mettre votre fil. Je ne sais plus quoi faire avec cette fifille. Vous avez 11 emplacements, voilà. Si je crois me rappeler qu'il y a une grille qui ou un aimant, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, qui représente un peu cette partie-là. Mais si je retrouve la... Ah ben non, la boutique est fermée, je ne peux pas trouver les photos en ce moment. Bon, c'est pas très grave. Mais quand la boutique sera réouverte, on pourra trouver. Alors, ensuite, donc là, oh, regardez le petit sticker, il est trop mignon avec le minou, une petite fifille. T'as vu, maman? Sabine a mis une petite fifille. Alors, je vais d'abord ouvrir les sachets. Ben, là, j'en ai trois. Je ne me rappelle plus que j'en avais pris trois. À moins que Sabine m'en ait rajouté un. Là, un petit hibou. Doux, chouette. J'adore les hiboux, les chouettes. Et là, un petit cœur. Allez, on va ouvrir celui-là en premier. Ah oui, c'est celui-là, oui, je me rappelle. Alors ça, c'est une nouveauté. Ça fait partie des nouveautés. Et j'adore. Alors, il y a toute une série. Donc, du coup, vous les retrouverez, bon, s'il en reste, hein, parce que c'est quand, c'est comment elle s'appelle? Angélique, elle avait fait un live sur Twitch, c'est pas facile à dire, pour présenter toutes les nouveautés de Sabine. Et il y a eu un raz-de-marée pendant la vidéo, une fois que les nouveautés ont été sur la boutique, il y a eu un raz-de-marée sur la boutique à Sabine. Donc je ne sais pas ce qui reste en stock. Et là, je ne peux pas le voir. Donc voilà. Alors, voilà l'aimant. Regardez-moi cette beauté. Je l'adore. Alors, il y avait toutes sortes. C'était toute une collection avec les tasses. Alors, certaines. Alors là, vous avez une petite étiquette. Voilà. C'est la signature de la créatrice qui travaille avec Sabine. Voilà. Pour imaginer et faire ces magnifiques aimants. Et ici, alors, moi, j'ai une petite. Non, Fifi, allez. Non, non, mon bébé. Attends. Voilà. Alors, on va essayer de montrer sans que ça floute. Ici, vous voyez, il y a une petite, le petit sachet de thé, on va dire, avec une petite abeille dedans. Et dans la série de tasses qu'il y a, certaines ont des drapeaux. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ces drapeaux, mais il y a le drapeau LGBT, il y a le drapeau Girls, je ne sais plus quoi. Enfin, bon, je ne connais pas trop ces drapeaux, mais vous savez, bon, pour... C'est un peu le style LGBT ou le les genrés, les... voilà. J'ai du mal avec ça. C'est pas trop ma génération, mais enfin, je pense que vous aurez compris. Mais bon, moi j'ai pris celui-là parce que j'adorais avec les petites abeilles, j'adorais les couleurs, les petites fleurs, étaient vraiment trop trop beaux. Donc, comme d'habitude, les aimants aimantent bien, hein. Voilà, voyez. Il n'y a pas de souci, ça tient. Hop, voilà. Donc ça, c'était le premier aimant. Celui-ci. Ah oui. Ah bah si, c'est ça. J'en ai pris trois. La petite grenouille. Alors ça, c'est pas une nouveauté. Ça date du mois dernier, je crois.
Mais alors, elle est trop choupinou, cette grenouille! Regardez-moi ça! Elle est trop trop belle. Petite rainette, je pense. Vert, je crois. Les rainettes, c'est vert, hein, je crois. J'ai appris à l'école sur les grenouilles. Hein. Bon, à mon époque, on disséquait les grenouilles. Oh! Qu'est-ce que j'aimais pas ce cours! J'avais une horreur de ce cours. J'avais horreur de ça. Je me rappelle qu'on a disséqué une grenouille, une souris, je crois. Mais quelle idée de faire ça à des enfants! Oh, heureusement, maintenant, ils ne le font plus. Enfin, je pense, hein. Dites-moi, les parents là, qui ont des enfants à l'école. Je pense pas que maintenant ils le fassent. Hein. Mais, oh. Donc voilà, la petite grenouille. Trop mignonne. Et le dernier, alors, ça va, j'ai ouvert dans le bon sens, c'est ce que je voulais faire. Alors, le dernier, là, j'ai pris la collection, pas la collection d'aimants, hein, la collection, c'est-à-dire, j'ai pris l'aimant, j'ai pris le stickers et la broderie. Voilà, donc c'est une nouveauté également. C'est la collection Papillon de nuit, voilà, comme la chanson. Papillon de douleur. Bon, on arrête le carnage. Alors, voilà le sticker. Regardez-moi ça, comment il est beau. Sticker holographique. Regardez. Il est trop, trop beau. Alors, il y a une collection aussi de stickers holographiques. Plus beaux les uns que les autres. J'aurais bien voulu tous les prendre, mais bon. Il faut arriver à se limiter, hein. Oui, c'est bien moi qui dis ça. Regardez-moi ça. Oh, que c'est beau. Voilà, le petit stickers. Et du coup, le petit papillon en aimant qui va avec. Voilà. Trop, trop beau. J'adore les papillons. Et bien sûr, du coup, la grille. Voilà. Regardez-moi ça, cette beauté. Trop, trop beau. Alors, je suis très, 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 très en retard sur sur la fabrication des broderies avec les grilles de Sabine. Je dois bien en avoir une dizaine maintenant. J'en ai brodé 40 en entier. J'ai honte. Mais j'ai honte. Je vais me rattraper. Alors, ici, on a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 15, 30. Voilà. On a 30, 30, non, 31. Attendez, je regarde celui-là si je le vois. Oui, non, 30. Voilà. On a 30 couleurs. Point de croix. Principalement et un point arrière. Voilà. Alors là, si vous entendez du bruit, c'est les couvreurs hein, qui sont sur les toits. 150 points sur 190 points. Voilà. Si je n'oublie pas, je vais vous mettre ici la taille en toile dont vous aurez besoin. Alors, je vous montre une toute petite partie de la. Alors, ici, on ne l'a pas. Non. Une petite partie de la grille pour vous montrer comment c'est clair et bien imprimé. Voilà. Donc là, c'est fait en couleur. Si vous avez besoin de la grille. Alors. Quand vous allez sur la boutique de Sabine, vous pouvez acheter les grilles comme ça, papier. Ou vous pouvez les acheter en PDF. Voilà. Et si vous l'achetez en papier comme ça, vous pouvez envoyer un email à Sabine pour qu'elle vous l'envoie également en PDF gratuitement. Comme ça, vous pouvez mettre la grille dans votre logiciel Pattern Keeper si vous l'avez, ou alors sur votre écran de tablette ou d'ordinateur pour plus de visibilité, pour mieux lire si vous êtes comme moi, que vous êtes un peu top. Voilà.
Voilà, donc là, vous envoyez un email à Sabine et elle vous l'envoie très gentiment par email et gratuitement en PDF. Donc voilà, la collection, hop, du papillon de nuit. Vous voyez, trop, trop, trop beau. Donc là, moi, le petit sticker, je sais où il ira. Quand je ferai la broderie, il ira sur mon carnet de broderie sur la page qui concernera cette broderie. Voilà, comme ça, je l'aurai en photo sur mon carnet. Alors, je vous remontre ce que j'ai pris donc chez Sabine. Du coup, je ne peux pas vous mettre les liens. Mais je vais vous mettre le lien de la boutique quand même. Comme ça, dès que la boutique va réouvrir, ben vous pourrez aller dessus. Là, je ne peux pas vous mettre le détail des liens des articles que j'ai achetés. Mais quand la boutique sera réouverte, vous pourrez les retrouver, hein. Il n'y a pas de souci. S'ils sont toujours en stock, bien sûr. Bon, ça, ce sera toujours en stock, bien sûr. Mais au niveau des aimants et des stickers, ça, je ne sais pas. Et également au niveau du trifil. Je vais essayer de vous remettre les prix. Je vais regarder si je les ai. Mais bon, les aimants. Alors, deux têtes. Hein, les aimants, c'est 3,50 si vous prenez la version frigo. Alors, la version frigo, c'est-à-dire que, voilà, vous l'aurez comme ça. Mais vous n'aurez pas le deuxième aimant. Donc là, c'est 3,50. Si vous le prenez en version aimant à aiguille, donc, vous aurez ce deuxième aimant avec. Et là, c'est 3,99 €. Donc, ça, c'est pour les aimants. Le stickers de mémoire, je crois que je l'ai payé 2,50 € de mémoire. Le trifil, ça doit être dans les 7 euros, 7,50 € ou 7,90 €. Ça doit être dans ces eaux-là. Et la broderie. Ça va être 6 ou 7 euros. Voilà. Je vous dis là, il faudrait que je regarde sur mes factures que j'ai sur Etsy. Si je me suis trompée, je vous corrige et je vous remarque oops, sur l'écran. Si je ne me suis pas trompée, ben, je ne remarque pas. Voilà. Bon, les aimants, je ne me suis pas trompée. C'est sur. J'ai juste un doute sur la grille. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique. Je vous remets également un code promo que Sabine vous offre pour vos prochaines commandes. Donc, c'est en majuscule Didit 2022. Voilà. Vous pouvez l'utiliser sur toute la boutique, sauf box nouveautés et cartes cadeaux. Quand la nouvelle boutique sera ouverte, je verrai si j'ai toujours le même code promo. Je vais voir avec Sabine. Sinon, si je n'ai plus le même code promo, je vous donnerai le nouveau code. Voilà. Bah, écoutez, encore des merveilles hein, faites par notre Sabine nationale. Voilà, Sabine, tu t'es encore lâchée et c'est vraiment magnifique comme toujours. Allez, je fais d'abord des gros bisous à Sabine et un tout particulier à sa maman, à laquelle je pense à chaque fois. Je lui fais un gros bisou. Coucou! Je sais qu'elle me regarde à chaque fois également. Moi, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt! Bisous, bisous!